السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني مرحبا بكم Bonjour, bonjour et bienvenue dans ce cours intitulé Raisonner à partir d'une hypothèse. Tout d'abord, il faut rappeler que cette leçon s'inscrit dans le cadre de la séquence 6 qui consiste à produire une lettre ouverte. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment raisonner à partir d'une hypothèse et vous verrez que c'est très enrichissant et très intéressant. Vous êtes prêts? Allons-y! Partons de cet exemple. Je lis. Si les forêts disparaissent, la Terre sera exposée à des dangers écologiques. C'est parce que les forêts jouent un rôle essentiel dans la vie des hommes et de la Terre. Il faut donc les protéger. Je relis le texte. Si les forêts disparaissent, la Terre sera exposée à des dangers écologiques. C'est parce que les forêts jouent un rôle essentiel dans la vie des hommes et de la Terre. Il faut donc l'y protéger. Pour montrer comment raisonner à partir d'une hypothèse, et pour mieux comprendre cette leçon, nous allons répondre à un certain nombre de questions. La première question qui se pose, quel est le thème de ce texte? Autrement dit, de quoi parle ce texte? Le thème de ce texte est les forêts. Vous allez remarquer que le mot forêt se répète tout au long de ce texte. La deuxième question. Quelle est l'hypothèse émise? Les forêts disparaissent. La question suivante. Quelle est la conséquence liée à cette hypothèse? La conséquence liée à cette hypothèse, ou bien la conséquence envisagée à partir de cette hypothèse, est la phrase suivante. La Terre sera exposée à des dangers écologiques. La dernière question, par quelle expression cette hypothèse-là est introduite? Le mot ou l'expression utilisée ici pour introduire cette hypothèse est le mot « si », ce qu'on appelle l'expression de l'hypothèse. Bien. Si vous avez bien lu le texte, vous auriez vu que l'auteur de ce texte, pour raisonner à partir d'une hypothèse, commence par une hypothèse. Ensuite, donne une explication et enfin, fait une conclusion. Maintenant, on va essayer de relever les parties du texte qui correspondent à chaque étape du raisonnement. Les étapes du raisonnement sont en nombre de 3. L'hypothèse, l'explication et la conclusion. La question qui se pose également, quelle est la partie qui correspond à l'hypothèse. Les forêts disparaissent. La Terre sera exposée à des dangers écologiques.
La question suivante. Quelle est la partie qui correspond à l'explication? La partie qui correspond à l'explication, c'est parce que les forêts jouent un rôle essentiel dans la vie des hommes et de la terre. Dernière question. Quelle est la partie du texte qui correspond à la conclusion? La phrase qui correspond à la conclusion est « Il faut donc les protéger ». Vous allez remarquer dans cet exemple que chaque étape du raisonnement est introduite par une expression. Commençons par l'hypothèse. L'hypothèse est introduite par l'expression « si ». Tandis que l'explication est introduite par l'expression « c'est parce que ». Enfin, la conclusion est introduite par l'expression « donc ». Signaler qu'on peut réécrire ce texte en employant d'autres expressions. Alors on peut ici remplacer si par au cas où, comme on peut remplacer c'est parce que par cela prouve que ou cela montre que, etc. Et on peut également remplacer donc par alors. Passons au chapitre 2 de notre cours. Je retiens. Ce qu'il faut retenir, c'est que raisonner, c'est réfléchir ou utiliser de sa raison pour réfléchir. Alors que l'hypothèse est une supposition à partir de laquelle on peut expliquer un fait. Autrement dit, l'hypothèse est une supposition à partir de laquelle des conséquences sont envisagées pour aboutir à une conclusion. Alors, l'irsna al-fahmu fa'ad-dars, belli raisonner à partir d'une hypothèse, ou estintaj min khilal faradiya. Ou melli kanhaoulu, intiraqan min faradiya sinma, nouslu l'wahd l'istintaj, fil-kha. بحال لا ماتيماتيك وكما شفنا في ليكزومبل الاول سي لي فوري ديسباريس لا تير سورا اكسبوزي ا دي دونجي ايكولوجيك غير هاد لا فراز هادي هي عباره عن فرضيه يعني اذا اختفت الغابات الارض غتتعرض لمخاطر بيئيه اذا اختفت يعني هادي غير فرضيه اللي من خلالها حاولنا نوصل لواحد الاستنتاج اللي هو il faut donc les protéger اللي هو اننا خصنا نحاولوا نحافظوا على هاد الغابات هذا هو الاستنتاج اللي استنتجناه انطلاقا من فرضيه